C'est Donoroni, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve sur Arc Classique, donc sur The Island. Alors là j'ai décidé d'aller apprivoiser le petit ankylosaure. Donc c'est parti, donc j'en ai vu, je vais vous montrer sur la carte. J'en ai vu sur l'île, vous voyez tout en bas à droite, donc c'est une île d'herbivores où il y a des brontos, parasaur, fioma, ankylosaure, etc. Et du coup je vais aller sur cette île. Donc je vais apprivoiser l'ankylosaure pour prendre, parce qu'en fait avec sa queue en forme de gros blocs de pierre, quand vous tapez les blocs de pierre, si vous voulez vous ramassez à masse de pierre, donc ça peut être très pratique pour farmer un peu la pierre et tout ça, le métal aussi, parce qu'il ramasse pas mal de métal quand vous tapez les métaux. Enfin voilà, c'est vraiment un bon dino. Il faut savoir que c'est le poids, il est beaucoup moins élevé sur lui que sur vous, que sur un autre dino quoi. Donc c'est quand même un bon point. Donc pour l'apprivoiser, de toute façon ça va être simple, hein, bah, l'endormir avec des fléchettes tranquillisantes, et puis moi j'ai pris l'arbalète. Bon après ça se fait à l'arc, hein, tout pareil. Et du coup ce qu'il préfère c'est les kibbles de Dilophosaur. Donc moi j'en ai pas fait. Donc après ça c'est pas, voilà, c'est comme vous voulez. Ensuite il aime bien les légumes, donc tout type de légumes, hein, patates, maïs, citron et carottes. Et ensuite c'est les majoberries, donc voilà, en cas si vous n'avez pas de légumes. Donc moi je vais le faire avec des petites patates, donc comme ça va aller un peu plus rapidement qu'un timing par baie. Et voilà, j'ai pris un peu de narcoberry, et puis comme ça on va pouvoir le tamer, tester un peu tout ça, un peu ce qu'il vaut pour les récoltes de pierre notamment, parce que il n'y aura pas de métal sur cette île qui est là-bas. Donc on va pouvoir tester ça les gens. Bah écoutez, le temps que je fasse le trajet jusqu'à la fameuse île, je vais faire une petite ellipse et puis on se retrouve après. Et re les amis, j'arrive sur la fameuse île. Donc vous voyez, donc elle est pas bien loin de ma base, donc c'est quand même un bon point. Alors il me semble que des ankylosaures, j'en ai vu. Je crois qu'il y en a en face de moi. Ouais, c'était ici que j'en avais vu. On va essayer d'en prendre un de haut level, histoire qu'il ait beaucoup de poids. Si, il est spécialisé dans le poids, bien entendu. Donc ça, c'est une île, en fait, il n'y a pas de prédateur, donc c'est bien. Niveau 1, ok, c'est pas terrible. Toi, t'es niveau 10, ok. Toi, c'est quoi, c'est un fiomas. Ouais, on va aller voler un peu plus loin, histoire de voir s'il y a d'autres niveaux un peu plus élevé, comme ça je pourrais avoir plus de poids et puis ce sera mieux pour farmer la pierre quoi. Alors where is ankylosaure? Ok, là il y en a même plusieurs. Allez, perte de points de vie 6 2, là bas il y en a un 16. Ah déjà c'est mieux là bas il mouille. Faites à la grenouille. Toi t'es niveau combien là-bas mon pote? Oh, il y a un niveau 12. Et toi? On a dit niveau 16. Est-ce qu'il y en a un autre là-bas? Ça va, il y en a quand même. On a quand même l'embarras du choix, vous voyez. Alors, putain, il fait un temps pourri à chaque fois vers ces heures-là, c'est abusé. Oh. Là, on pourra même tester sur le métal, comme y a du métal sur cette île. Tiens, je le découvre en même temps que vous. Comme ça, on va pouvoir tester ça. C'est une bonne chose. Alors, le petit quetzal, je vais le ramener. Donc, j'ai pris le quetzal tout simplement parce que je vais pouvoir le prendre, pouvoir le ramener à ma base dans les serres du quetzal. Donc, parce que sinon, vous doutez bien que sur une île, je vais pas le ramener à la nage, l'ankylosaure. Hein, ça risque pas de marcher. Tac. Bon, il fait vraiment un temps pourri hein, quand même. Je vais essayer de retrouver le fameux ankylo qui est niveau 16, celui-là qui m'intéresse. Alors, je crois qu'il est là-bas. Ok, là c'est le niveau 12. Niveau 2. Il s'est barré où ce petit? Ah, il est là. En plus, il m'a l'air d'être un peu... Il m'a l'air d'être un peu éloigné comparé aux autres. Alors,
Comme ça on taquait aussi, vous voyez. De toute façon je pense qu'il va pas s'en... Ça va pas lui falloir des tonnes de flèches non plus. Ouais, juste que il n'aille pas par là. On va le prendre à... Ah bah il est endormi là. Déjà? Eh ben... Ça va, il n'y a pas l'air d'avoir d'autres ankylos qui viennent m'emmerder. Donc le timing, comme je vous l'ai dit, il va nous falloir... Donc moi j'ai pris des patates, plus on peut les manger. Donc c'est quand même bien. Et puis des narcoberries. Tac. Alors oui, j'ai crafté la selle de l'ankylo. Alors que j'essaye de me souvenir un peu de ce qu'il faut pour crafter la selle. Donc elle est disponible au niveau 36. Il faut 262 peaux, voilà. 142 fibres et 10 lingots de métal. Donc bien entendu à crafter dans l'atelier. Donc elle est en fait elle est pas chère quand même, hein. 10 lingots de métal, c'est pas cher, la fibre et la peau, franchement c'est quand même une bonne chose. Donc voilà, bon bah alors le timing est lancé. Bon, je pense qu'il met un peu de temps quand même à se tamer. Alors écoutez les gens, on va faire une petite ellipse parce que c'est pas très intéressant le timing, hein, comme d'habitude. Une fois tamé, après on teste ça, à tout à l'heure les gens. Et re les amis, il est tamé le petit ankylosaure. Alors il se trouve ici, il est là, il est tout beau, il est mimi. Bon oui, le beau temps est enfin arrivé, enfin un peu gris, mais au moins il pleut pas, donc c'est toujours bien. Alors on va lui mettre sa petite selle dessus. Boum! Quelle tête ça a un peu? Bah ça m'a l'air sympa, hein. Bon. Il a pris des niveaux je crois. T'as pris beaucoup de niveaux ou pas mon pote? Ah oui, niveau 23, yeah! C'est très très bon ça. Alors, 275 de poids. Bon bah c'est pas énorme, hein. A pas mal de points de vie. Puis là, là la faim quoi, 4400 de faim. Ça va, tu vas pas mourir de faim mon bonhomme. Bon, arrête donc de bouffer et avance là. Oh la taille qu'il a le bonhomme sur l'ankylo quoi. Yeah. Bon, ben on va aller taper du métal. Voir un peu ce que ça vaut. Et boum, 115 de métal. Énorme. Putain, c'est pas mal. 115 de métal les gens. En un coup. Bon après j'ai multiplicateur de récolte à 3, hein, mais c'est quand même raisonnable 3. Vous voyez. Tiens, et si on tapait un peu. Boum. Ah ça me fait délirer quoi. Bon bah c'est une bonne chose ça. J'ai 224 de métal et vous voyez sur lui, putain c'est quand même pas lourd. 200 métal, c'est 52 poids quoi. Ce n'est point lourd, mes chers amis. Boum. Ah c'est trop bien. C'est trop bien. Il récolte à mort de métal en fait. Et si je vais taper de la caillasse. Si je vais taper de la caillasse. Blah. Ok, il ramasse pas mal du tout de pierre quoi. Il ramasse surtout des silex, j'ai l'impression. Alors, boum, ouais, il ramasse des silex un peu plus. Mais c'est quand même, il ramasse plus vite que nous, quoi. Non, mais c'est cool, franchement. Hein. C'est quand même bien cool, ça. Je suis bien content. Alors, le menu de l'ankylo. On va dropper ça. Ouais, c'est cool, hein, il ramasse bien. Poids, il est bien en poids, peinard. Bah écoutez, moi, je vais me... On va retaper un peu dans un petit truc de métal. Ça devient limite un plaisir de farmer quoi. Et je boum. Ah oh, c'est parfait ça. C'est vraiment trop bien. C'est le top. Voilà. Ouais on ramasse à blinde de métal à chaque fois quoi. C'est vraiment le top pour farmer le métal. Hein. C'est vraiment le top. Bon bah en tout cas je suis bien content. Bon bah écoutez les gens, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Donc ce qu'il faut retenir c'est que c'est un dino très utile pour le métal, hein. C'est quand même le point le plus positif pour celui-ci.
Sachant que vous récoltez à masse de métal, mais c'est valable pour l'obsidienne aussi, hein. Vous récoltez masse de métal ou d'obsidienne quand vous tapez dans le matériau. Enfin non, voilà, vous m'avez compris quoi. Et puis en plus c'est beaucoup moins lourd sur lui, quoi. Vous voyez là le métal, je vous ai dit 52 poids pour 200 métal, d'habitude c'est 1 kilo le poids, quoi, j'ai envie de dire. Donc, là 2, 4, 6, voilà, 635 de poids, de métal, et puis c'est parfait, quoi. Bon bah écoutez les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo, à laisser un commentaire si vous avez des questions, il n'y a aucun problème, je me ferai un plaisir d'y répondre. On se retrouve dans un prochain épisode pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!